on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi et mon frère, on va goûter manger les chocolats de Mr Beast pour la première fois. On les a vus il y a quelque chose dans un supermarché qui est assez populaire ici, là. Et puis, j'ai dit à Bijou, regarde ça, Mr Beast. Et après, il a dit, oh, on prend enfin une vidéo où on déguste ces chocolats et tout. Et c'est ça, quoi. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. En plus, Mr Beast, je regarde pas trop de ouf ces vidéos, mais je regarde quelques-unes de ces vidéos et il parle toujours de ces chocolats et tout. Donc, on va voir si c'est aussi bon que ça en arrière. Et Askip, c'est les meilleurs chocolats du monde. C'est vrai? Comment ça? Il l'a dit. Ah, c'est lui-même qui le programme. Je sais qu'il a déjà dit que c'est meilleur que des Hershey's. On va aller voir ça. Vous allez venir avec nous, on va aller les acheter. Ensuite, on va venir à la voiture, on va les manger. Les gars, je sais que vous avez remarqué les cheveux de Bijou. Regardez ça. Il a un afro, tout d'un coup. Il avait des dreads. Après ça, il a eu des tresses. Et je sais, il y a une seule personne dans les commentaires qui a dit: Junior, toi, Bijou a des tresses. Je sais pas s'il y en a plein qui ont remarqué, ils l'ont juste pas dit, mais il y a une seule personne qui a dit: Junior, comment Bijou a des tresses? Mais Bijou, il a défait ses dreads, au fait. C'est fou, c'est incroyable, mais il a réussi vraiment à défaire ses dreads. Il a fait des tresses et là maintenant il a défait ses tresses. Là maintenant il a un afro. Regardez. C'est quand même gros. Ouais, les gars, regardez le prix. Festival Mr Beast, 3$ chacun. Bijou a dit qu'apparemment il y a 4. Attends, c'est écrit quoi? Il y a 4 sortes chacune. Alors que moi je crois qu'il y en avait juste 2. Ça veut dire que je dépense 12 balles là. Mr Beast, c'est mieux d'être bon tes chocolats là. En plus, c'est que. C'est pas bon? Si c'est pas bon. Ouais, si c'est pas bon. En plus, tu sais que j'ai appliqué pour vous passer dans une vidéo de Mr Beast. Mais tu vas passer dans quelle vidéo? Je te dis même pas. Ben, une vidéo, il m'appelle. J'ai vu, il y a un lien là. Il a mis ça sur Twitter. Il a dit: si vous voulez participer à une de mes vidéos, juste remplissez le lien. Là, ils ont quoi, dit la là. Ben, il n'y a pas de sujet. Juste, s'ils ont besoin de toi, par exemple, ils vont voir le formulaire. Et là, maintenant, ils vont juste. Ils vont te contacter et là, maintenant, ils vont t'amener. Tu sais qu'ils payent ton vol, ils payent ton hôtel, ils payent tout. Mais imagine, tu pars en premier. Je sais qu'il y a des, genre, des centaines de milliers de personnes qui ont appliqué pour potentiellement faire partie d'une vidéo de Mr Beast. Tu veux? Je sais, c'est bon. C'est toi qui payes, hein? Parce que c'est. Oh, ok, déposons. Tiens, déposons. T'as ouvert le bail, frère? Comment ça, déposons? Attends, mais. Attends, tu coupes le bail, tu me dis que c'est moi qui paye. Je te dis. Oh non, t'es trop fort. C'est trop fort. Ah, je vois un peu. Ah, ok, merci. Ouais, les gars, pour les chocolats de Mr Beast, là, on va prendre ça à côté. Un petit truc à boire, là, tu vois. On va pas juste manger les chocolats comme ça. Attends, c'était pas $1 avant, Bijou? Les yoks? C'est $1. $1 pour. Si t'en achètes 5, c'est $1. T'as acheté 5? Juste prendre 2. Ça, c'est toi qui payes ça, hein. For real. Je suis vraiment for real. Mais, ok, le truc, au fait. J'ai la preuve en caméra. Il coupe le truc, il dit c'est toi qui paye, hein. Okay, qui a coupé? On va laisser ça à la question. Oh my god. Qui a coupé, les gars? C'est dans les commentaires qui est coupable là. Tu viens, tu prends le pain, tu le coupes, c'est toi qui paye, hein. Je dis non, je le paye pas. Et tu dis, oh, on redépose. What? Il y a combien de ça? Il y a juste une serveur. Il y a juste une? C'est ça que je t'ai dit, vous t'as dit, il y en a 4. D'un chocolat. Chocolat noir, attends. Ok, c'est tous du chocolat noir. Ah, d'autres ou pas? Ouais. Ok, il faut les trouver. Beurre d'arachide. Quoi? Essaye de chocolat blanc. Essaye de trouver le chocolat blanc. Chocolat blanc? Ouais. Au lait? Chocolat au lait, je veux dire, ouais. J'ai déjà trouvé. Montre? Ok, t'as 3 saveurs. Okay, je pense que c'est juste ça qu'il y a, je pense. Vas-y, qu'il y en a 4, bon, je pense qu'il y en a juste 3. Il y en a 4. Ouais, bon, je vais aller maintenant. Attends. Chocolat au lait. Ok, essaye de chercher, je vais aller chercher. Beurre d'arachide. Beurre d'arachide, chocolat noir. C'est tout, hein? C'est ça que je disais, il y a juste 3, il n'y a pas 4. Tu veux prendre un autre kiosque? Pourquoi? Si tu dois prendre un autre, il t'a faut juste en prendre 5 en même temps. Mais c'est ça, je comprends pas pourquoi tu peux prendre 2. Ok, vas-y, va en prendre 3 autres, vite. Dépêche-toi. Et si tu en prends juste un, il est plus cher que si tu en prends 5, tu vois. Là, ton cahier, c'est juste mieux d'en prendre plus. Il est où là? What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait? Oh my god, yo, je vais l'appeler là. Fais vite, bro! Qu'est-ce que tu fais, Bijou? Hein? Mais t'es à l'aise, bro, dépêche-toi! C'est pas, il y a des gens dans la file? Ah, tu m'appelles? Je t'ai appelé, c'est ça? Je viens tout payer. Mr Beast, j'ai dépensé pour toi $17.
chut. Je serais vraiment content si je peux faire partie d'une de tes vidéos. Nous deux. Ouais, nous deux, mon petit frère et moi. Oh. Tu fais une vidéo, petit frère, grand frère. Oui. Petit frère versus grand frère. Oui. Nous deux contre deux autres, comme, mais le même âge. Pourquoi t'es sérieux comme ça? Attends. Tu sais ce qui me fait rire? Enlève tes mains un peu. On dirait des munitions. La façon dont on voit les yop là. Ouais, comme ça. Boum. Ok, non. Ok. T'essaies de faire quoi? Comment, les gars? Les yop, c'est une des premiers yogourts que j'ai bu ici au Canada. Et c'est une des premières pubs que j'entendais. Yop. Ma yop. Ouais, avec le gars dans la chambre. Ouais, chambre, douche. S'il y en a qui connaissaient la pub, dites dans les commentaires. C'est sûr qu'il y en a. Yo, vous avez l'âge de bijoux. Bon. La plupart, vous avez l'âge de bijoux. Vous n'avez même pas dedans quand moi je buvais des yop. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ont peut-être mon âge et qui sauront de quoi je parle. Qu'est-ce qu'il y a? On peut gagner quelque chose. On peut donner une vidéo? On peut donner une vidéo? Mais jamais, please! Oh non! Vous voyez pas mon code? QR. Imaginez, c'est un code pour pouvoir directement participer à une vidéo. On va voir ça. C'est ça, il y avait 4. J'étais pas fou. Il y avait croustillant au lait. Voilà. Oh, mais toi, t'avais dit de base amande. Y a pas d'amande. Croustillant, c'est la même chose. Oh, mais bon, c'est pas grave, on l'a manqué. On l'a pas vu. Peut-être qu'il était fini. Non, c'est pas grave. On va commencer avec. On va commencer avec lequel? Chocolat noir? Ouais, dark chocolat. Celui-là, les gars. Non, attends, on l'ouvre pas, mais non. Celui-là, les gars, il me dérange un peu. T'imagines chocolat beurre d'arachide? Non, moins jaune, non. Ok. J'espère que c'est bon, d'ailleurs. Attends. Moi, de base, je voulais boire ça. Pas le monde. Moi, c'est une nouvelle sorte. Ça, c'est vraiment une des sortes originales, la fraise banane. Ok. Le chocolat, on dirait que c'est du chocolat noir, mais pas amer. Ouais, voilà. Parce que. C'est bon? Le chocolat noir, d'habitude, quand je prends ça, je sais qu'il y a un goût amer derrière, les gars. Ce chocolat noir, il est pas amer. W first? Ouais, c'est bon ça. On dirait même pas du chocolat noir, les gars. C'est... On dirait du chocolat au lait? Au lait, mais mélangé avec du noir. Voilà. Ouais c'est bon. En vrai, c'est validé. Bon. Validé. Mr. Beast, the first one is really good. Really good. Tu vas me repousser dans sa story, là. Deuxième, chocolat au lait. 3, 2, 1. Ça va pas trop de différence. Tu vois pas de différence avec le chocolat noir? Non. Ouais, avec le chocolat au lait, c'est la vie de tous les jours. On aurait dû les comparer avec les barres de chocolat à 1$. Oh ouais. Il y a des barres de chocolat là qui sont de. Là où on est allé acheter les chocolats de Mr. Beast là. Et coûte 1$. C'est des barres de chocolat un peu plus grosses que ça. 1$ les gars. Il est évident que ces barres là sont de plus basse qualité que celle de Mr. Beast. Mais comment on arrive vraiment à déterminer un chocolat qui est de plus haute qualité que l'autre? Genre, j'arrive pas vraiment à déterminer ça. Bonne qualité, mauvaise qualité, c'est du chocolat. Chocolat, c'est chocolat. Non, comme il est bon, mais. Genre, peut-être qu'il y a un petit goût qui change, mais pas vraiment, genre. Le goût. Le dernier. Le fameux, notre intéressant. Barre d'arachide. Barre de pilote. Hey! Okay, hey! Hell no! Hey! Monte l'intérieur. Tu as juste reculé. Tourne comme ça et ça va focus. Ouais. Et. Ah! Oh! Mais il voit! Il voit pas! Oh! Il voit pas! J'ai goûté le beurre de pinot. Oh putain de merde, ça sent le beurre de pinot. Tu as juste goûté le beurre de pinot, t'as dit? Ouais. Il est salé. 3. 2, 1. Vous savez, il est sucré le beurre de peanut. T'as déjà goûté des Whiz? Ouais. Ça goûte ça. Il a un goût genre sucré, salé. C'est un mélange. Les peanuts sont salés. Donc, pour moi, les trois sont validés. Mon coup de cœur, moi. Dark chocolat. My little brother names is Bijou and he said dark chocolate is his favorite. So that and that's really crazy because my little bro is not usually don't really eat dark chocolate. Mr. Beast, the festival are really good. I'm a big fan.
Please, put me in a video. Mets-moi dans une vidéo, s'il vous plaît, Mr. Beast. Pardon, oh, tu sais. Et si jamais tu mets ça dans ta story, bro, Mr. Beast, please, bro. The principles are still good, bro. Tu vois. Mais bref, les gars, trêve de bavardage, c'est bon. Mais est-ce que tu penses que ça va avec ce qu'il dit là, que c'est les meilleurs chocolats au monde? Ce n'est pas les meilleurs. Si le refait un chocolat au caramel, changera aimé. Ouais, caramel. Parce que toi, les chocolats que le trésor vendait, rien passé. Mm-hmm. Le caramel est meilleur que tout ça ici. Il était tellement bon, il était le crémeux, le caramel était coulant. Oh, oh, c'était tellement bon. Oh. Ok, Mr. B, excuse-moi, non, je sais pas. Qui est-ce qui va regarder la vidéo? Je vais donner un conseil de faire au caramel alors. Dites dans les commentaires si vous voulez qu'on goûte quelque chose. Tu sais que ça serait bon de mélanger les deux? Mets le beurre de peanut dans le pain. Ça va faire du pain au chocolat. T'as compris ou pas? Ça va faire du pain au chocolat. Les gars, elle était bonne. Je m'en fous, elle était bonne. On met ça à l'intérieur, ça fait du pain au chocolat. Abonnez-vous, c'est pas encore déjà fait. Très important. Partage ça à tes grands-parents, cousins, cousines, oncles, tantes. Tu faisais exprès ou bien? T'as touché 5 fois. J'ai eu le temps de dire oncle, tante, cousin, cousine. J'ai fait exprès de continuer à énumérer pour voir si ça allait arrêter. Il continuait. Mais bon, voilà quoi, non.